Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants pour la guidance sentimentale du mois d'août. Bienvenue sur le voyage d'un médium, ici Fabrice Baumann, votre médium coach intuitif depuis pas mal de temps déjà, et je vous remercie de votre abonnement et puis de votre temps précieux que vous m'accordez. Cela me touche énormément, sachez-le. Gratitude à vous tous, c'est parti donc pour la guidance sentimentale du mois d'août. Hier, j'ai fait la guidance générale. Dans quelques instants, vous allez voir en haut à droite une bande noire apparaître. Vous pourrez donc cliquer dessus par la suite pour voir votre guidance générale que j'ai faite hier. Voilà, on y va, c'est parti. Alors, avec tout simplement un tirage simple en 5 cartes que vous connaissez. Hein. J'adore faire de nouveaux tirages. Et ce tirage-là, vous le connaissez parce que c'est le tirage le plus basique par rapport à d'autres. Le mois dernier, j'avais fait l'étoile de Vénus pour ceux qui connaissent les tirages de la numérologie en 9 cartes. Voilà. Alors, c'est parti, on va voir maintenant ce qui va se passer. Et puis, peut-être une carte 6 en bonus. On verra bien ce qui va nous être révélé pour cette guidance sentimentale. Alors, pour les Capricornes sentimentales du mois d'août. Capricornes sentimentales du mois d'août. Et les ascendants. Vous le savez, hein, les ascendants aussi sont là. On va voir ce qui va se passer. Voilà, la troisième, la quatrième, et puis la centaine, hein, la dernière, et puis peut-être la sixième, on verra par la suite. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voyez bien les lames, s'il faut que je fasse un zoom. Non, là c'est bon, normalement. Voilà, ici il y a la pointe du petit cœur. Alors, c'est parti pour vous. On va voir dès à présent la situation actuelle. Ah, c'est la lame de la tour. Alors, à votre situation actuelle, pour l'instant, vous êtes en train de reconstruire petit à petit votre nouvelle vie amoureuse avec vous-même. Et ça, c'est ô combien magique, parce que vous avez repris l'espoir de vous dire maintenant j'ai une nouvelle vie qui est en train de commencer, et ça c'est magique. Alors maintenant on va voir l'opposé, hein, à la réalisation de ce nouveau projet sentimental, de cette nouvelle personne qui va venir à vous. Ce qui va vous bloquer en fait. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à trouver la belle personne en ce moment? Ah, on voit en plus l'hérophant, le prêtre, hein, tout simplement. Mais la lame est pas à l'endroit, mais à l'envers. Voilà. Tout simplement, cette lame, elle vous explique le blocage, hein. C'est que vous restez en fait tout simplement dans les mêmes schémas que vous connaissez, dans les schémas de vos propres parents, dans les croyances de vos amis, de l'environnement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a rien d'autre qui peut exister. Je vais pas changer ma perception de voir les choses. Non, non, je reste toujours dans cette même situation parce que je sais que c'est comme ça et qu'il n'y a rien d'autre qui existe. C'est un peu une vision de se dire il n'y a pas autre chose en fait qui existe. J'ai tout fait, j'ai tout essayé et il n'y a rien d'autre qui peut arriver à moi maintenant. Voilà,
changer son paradigme, changer sa façon de voir les choses, bah, tout simplement, si vous êtes ici avec moi, vous voyez que les guidances sont là pour vous amener, bah, tout simplement, une nouvelle façon de voir votre propre existence. C'est quand même assez pas mal, hein, d'ailleurs, pour le moment. Donc, si vous voulez bien partager, ce serait avec grand plaisir. Abonnez-vous, hein, aussi, hein. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Alors là, c'est parti, on va... Hein, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai hâte de voir la troisième lame, hein, de savoir comment ça va se passer, hein, ce déroulement. Hein. Je ne sais pas vous, mais pour moi, wow, vous voulez trouver un partenaire, mais il n'y a rien qui change pour le moment parce que vous ne voulez pas apprendre de nouvelles choses. Alors, on va voir comment ça va se passer, le déroulement. Ah, là, on a la justice. Donc, la justice, elle vous indique que si vous faites tout ce qui est juste pour vous et pour les autres, eh ben, vous n'avez pas à vous faire de soucis. Vous n'avez pas à avoir peur. Si vous êtes honnête envers vous-même et envers les autres, hein, si vous êtes vraiment dans la légalité, que vous faites tout du mieux que vous pouvez, et, ben, qu'est-ce que vous voulez qui vous arrive ? N'ayez pas peur, continuez à avancer, vous êtes dans vos droits, donc vous pouvez tout faire ce que vous voulez tant que vous êtes dans la loi, donc tant que vous êtes dans la légalité et que vous faites les choses totalement dans la justice. Et ça, c'est magnifique, hein. La quatrième lame, c'est le résultat. Donc, quelle est donc l'issue de ce résultat ? Ben, voilà. Tout simplement, l'amour va arriver à vous. Voilà, parce que vous êtes juste avec vous-même. Vous aimez, vous prenez soin de vous, d'accord ? Ici, on le voit bien, hein, vous avez reconstruit votre vie et petit à petit en vous améliorant. Donc, vous prenez soin de vous, vous vous aimez davantage. Bon, le blocage, évidemment, ici, c'est de ne pas aller voir ailleurs ce qui se passe, d'accord ? De ne pas faire de nouvelles rencontres, ça, c'est dommage, hein ? Mais tant que vous êtes honnête envers vous-même, ben, l'amour va arriver, d'accord ? Donc, les amoureux vont arriver, tout va bien se passer. Faites très attention de ne pas tomber dans le piège, évidemment, d'aller trop vite, hein, voilà. Ah, j'ai trouvé le coup de foudre, l'amour de ma vie, et 3 mois après, hein, une naissance ou un bébé ou une... Non, non, non. Allez-y en douceur. D'ailleurs, c'est ce que je ressens pour vous en cet instant présent. Alors, la synthèse, bah, tout simplement, ce qui confirme toute cette guidance, hein, qu'est-ce qui va se passer ? On a, ah ben voilà, tout simplement, hein, évidemment, on a l'âme de l'empereur. Alors, c'est, voilà, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le succès, c'est... Wow, l'empereur, il en impose, hein, donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un succès énorme. Voilà, hein, vous êtes une personne magnifique, merveilleuse. Vous arrivez à combattre, bah, tout simplement, votre vie au quotidien en faisant de votre mieux. Ici, on a la pleine lune, hein, qui réfléchit. Donc, on voit que avec bah, tout simplement, de la résilience, de la force en vous, eh ben, vous réussissez à trouver un nouvel équilibre qui vous permet, bah, tout simplement, de trouver l'amour de votre vie en sachant, en faisant très attention de ne pas aller trop vite en besogne, d'accord ? Et en expérimentant de nouvelles choses, en allant voir d'autres environnements, d'autres endroits que vous n'êtes jamais allé parce que vous aviez
pas l'occasion ou que vous n'y avez pas pensé ou que vous aviez pas eu le souci de se dire « Ah oui, c'est vrai. Si je veux rencontrer des nouvelles personnes avec ma nouvelle façon de penser, il faut que j'aille rencontrer ces personnes qui font les mêmes choses que moi, d'accord ?» Et là, bah, tout simplement, en étant vraiment honnête avec vous, il n'y a rien qui peut vous empêcher tout simplement de trouver votre amour, hein, d'accord ? Vous êtes l'empereur, d'accord ? Vous avez cette force en vous. Si vous faites les choses totalement légalement, dans la joie, la bonne humeur, rien ne pourra vous arriver. Tout est juste à la personne qui fait tout par lumière. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura éclairé. En tout cas, je vois très clairement ici une augmentation de votre lumière. Et ça, j'en suis totalement ravi. Pourquoi ? Ben, parce que vous vous élevez vers votre propre lumière. Vous sortez de votre ombre. Hein. L'ombre, c'est l'inconscient. Hein. Voilà. Et voilà, je vais terminer avec vous pour cette guidance. Parce que vous voyez, je pourrais rester des heures et des heures à voir ce qui sort de cette guidance. Mais je n'ai malheureusement pas le temps de m'éterniser dessus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me retrouver en consultation, bien sûr, évidemment. Tout est dans la description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager. Et bien sûr, je vous retrouve dès demain, chaque matin, à 7h, votre nouvelle vidéo arrive donc. Si vous voulez bien la recevoir, cliquez sur la cloche de notification et comme ça, chaque matin, une nouvelle vidéo avant d'aller à votre travail. Ciao, 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 ciao les amis. Et je vous dis à demain pour la guidance. Ce sera les Verseaux du mois d'août. Ciao.